Ça va, je suis trop fort.
Travaille, où va-t-on travailler normalement? Après match, devant la coéquipier, nous pourquoi tu as condamné la salaire et pas un match. La conseillère bien en gros, ça va te traverser. La commission. Et puis, Dédé, on est gardien sur le passé. Match, premier match. Qui c'est bon? Bien bon, Bopoli. Deuxième match, Petit. On a maquillé la vacille. Non, au moins la police, c'est bon. Et puis, deuxième match, on est sur le long, il y a Yassine. Au bon milieu. On est quoi, sur confiance? Il faut gagner quand un match, mon fils, à gagner pour ça. Le stage Banda qui mercredi, tous les gens nous na ba cours pour na nini na fait kofa et après lobby de tous Banda qui pratique et puis le loan de tous nous na naleki. Comment ça se passe? Oui, ça se passe bien, ça se passe bien. Moi, j'avais mon thème était l'entraînement des gardiens, du gardien de but d'après le match. C'est-à-dire un gardien de but après le match, quand il a travaillé, par exemple hier, il a joué, comment est-ce qu'il va travailler le lendemain. C'était bien passé. J'ai transmis quoi, le message en lui donnant des conseils parce que ce sont des enfants qui n'ont pas beaucoup de compétition. Il faut le prodiguer beaucoup de conseils. À chaque fois, c'est pour ça que si vous avez vu que j'intervenais souvent à chaque exercice que j'ai donné parce qu'ils ont des lacunes. Parce qu'un gardien, c'est comme un enseignant, il doit
chaque fois parler et puis placer quoi, ses défenseurs. Parce que maintenant, ils ont cette lacune-là de parler, de communiquer avec la défense. Et puis, j'ai constaté quelque chose aussi, c'est un problème de quoi, de relance. Tu vois, relance à la main, relance à la main et relance au pied ou bien à mi-volée. Tu vois, tout ça, j'ai essayé de corriger. Comme je n'avais pas beaucoup de temps, je n'avais pas terminé mon thème. Oui, j'ai beaucoup bénéficié, surtout dans ce stage. Il y a des choses que je ne connaissais pas, comme le terme de quoi, le terme technique. Tu vois, je ne savais pas, et maintenant je vais d'apprendre ça. En tout cas, coup de chapeau à nous d'éteindre ce disque. D'être le principal, c'est Kibembi, d'être un adjoint, le Sadis, ainsi que le coach Mukeba aussi. Non, je n'ai pas encore cessé d'apprendre parce qu'on apprend chaque jour. Ouais, on apprend chaque jour. Parce que lorsque moi j'ai joué, je pensais toujours un jour, je dois transmettre mon expérience à ces jeunes gardiens-là. Maintenant, aujourd'hui, je n'ai pas le choix. Je dois aider mes gardiens qui puissent atteindre leur niveau. C'est beaucoup de gardiens. Aujourd'hui, on a des difficultés. Je peux dire, on a des difficultés à avoir des bons gardiens qui sont mentalement forts. Et puis tactiquement, techniquement, tu vois, c'est un peu, on a des difficultés. Maintenant, nous, on est là pour former des gardiens qui puissent défendre la couleur de notre drapeau. Et vous pensez qu'il va nous contacter aujourd'hui un coach, un jour, il va nous trouver peut-être un autre Kitiaba. Il y a beaucoup de Kitiaba, il y a beaucoup de gardiens dans notre pays. Il suffit de quoi de prendre ça au sérieux, le métier de gardien. D'être concentré, la discipline surtout. La discipline, c'est un peu ça. C'est moi qui vous remercie. Apparemment, depuis votre je peux dire, quand vous avez cessé avec le football, apparemment, il y a un problème de la relève. Oui. Oui, c'est ça. Même le président de la fédération, il avait évoqué les cas de gardiens, même le DTN aussi, il y a les DTN Mukeba et le Sadiso et puis l'instructeur CAF de ce Guillaume Milunga, lui aussi l'avait soulevé. Bon, oui, bien sûr, on a des problèmes. Parce que si tu vois aujourd'hui même chez nous de Mazembe, il y a qui le titulaire c'est un étranger. Tu vois, ça se voit qu'il y a. Il y a manque de quoi de gardiens. Il y a de la relève. Il y en a. Il y a de bons gardiens. Maintenant, il doit prendre ça aussi. Il doit se prendre quoi prendre quoi le métier là d'être gardien au sérieux. Beaucoup de gardiens négligent. Beaucoup de gardiens. Moi, j'étais patient. J'étais chez Mazembe. J'étais patient. J'avais trouvé des grands gardiens chez Mazembe. Il y avait de Mayala, il y avait des Pascal, il y avait des Botico, des Mboa et puis Pouloulou. J'avais patienté mon temps. Maintenant, beaucoup de nos gardiens ne sont pas patients. Tu vois, tu peux me dire que moi, je n'ai pas eu des difficultés ou bien des insultes chez Mazembe. J'avais patienté. On m'a amené beaucoup de gardiens chez Mazembe. Il y avait des LMC Kamba, il y avait des quoi, puisqu'on vend qu'elle est passée par là. Il y a Papi Bodico, il y a aussi où il est arrivé, beaucoup de gardiens, il y avait mon coro, tu vois. J'étais toujours patient, j'ai dit j'attends mon tour. Aujourd'hui que vous êtes coach, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous entendez? Aujourd'hui vous avez pris cette fonction-là, de coach, qu'est-ce que vous allez faire pour que cette histoire puisse se faire? Est-ce que vous venez quand même ouais. Dans nos équipes, par exemple, c'est une bonne aujourd'hui, chose. Aujourd'hui dans avec vous, ça c'est plus les étrangers. Oui, c'est ça. Moi, je demanderai à tous les gardiens congolais de puisse travailler, de prendre leur travail au sérieux. Ils sont vraiment négligents et puis ils ne sont pas disciplinés. Ils négligent leur travail. Tu vois? En jouant, par exemple, tu peux jouer un match là, tu fais un grand match, pour toi c'est fini. Par contre, quand tu termines un match comme ça, il faut penser au deuxième match. Beaucoup de nos gardiens oublient ça. En tout cas, nous, les entraîneurs ou bien les encadreurs, on a un grand boulot. On a un grand boulot.
On doit faire tout pour conscientiser tous les gardiens qui prennent quoi conscience. Parce que là, si on laisse comme ça, on est mort. Il doit prendre conscience. Bon, avant j'avais des soucis, ouais, ma inquiétude des Alaïki avant, maintenant là je crois que j'ai pas des inquiétudes. Bon, je suis assurant parce que le petit là c'est un bosseur, il est conscient, Kiasumba, il est conscient de ce qu'il fait, il est conscient. Bien sûr, il y a des gardiens, il y a les Matampi, il y a beaucoup de gardiens, ce sont des grands gardiens, mais actuellement,